Akira Fudo, jeune garçon faible et peu sûr de lui, est incapable de défendre son ami Miki, agressé par une bande de voyous. C'est alors que son ami d'enfance, Ryo, vient à son secours, mais sa présence est tout sauf fortuite. Il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte. Les démons, anciens habitants de la Terre, existent et sont sur le point de se réveiller et de décimer l'humanité. Ils ont même déjà commencé à fusionner avec les hommes. Ce fut le cas du père de Ryo. Scientifique devenu à moitié fou, il commença à massacrer leurs animaux domestiques avant de vouloir s'en prendre à son fils, puis décida finalement de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu tant qu'il lui restait un semblant de raison. Ryo avertit Akira, le seul moyen de combattre les démons sera d'en devenir un lui-même. Devilman est à l'origine un manga de Go Nagai. Si en France on l'associe facilement, voire uniquement, à Goldorak, il ne faut évidemment pas le réduire à ça. Go Nagai est une des pierres angulaires du manga, avec Shotaro Ishimono et Mitsuteru Yokoyama ayant pas mal apporté au manga mecha, avec par exemple Mazinger Z, ou au manga fripon, avec entre autres Cutie Oni. Et il y a évidemment Devilman. Pas mal apporté au manga de mecha est un euphémisme. Même si ce n'est pas Nagai qui a inventé le genre, ce serait plutôt Yokoyama avec Tetsujin 28, c'est lui qui a donné sa forme moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Toutefois, à mon sens, sa plus grande réussite, c'est Devilman. Devilman est un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée japonaise, et même mondiale. Un manga magistral que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Alors oui, c'est moche. Bah, c'est du Go Nagai, quoi. Mais il a une telle profondeur. Il s'agit du deuxième gros succès de l'auteur après Haren Shigakuen à la fin des années 60. Mais ici, on opère un virage à 180 degrés. Si son œuvre précédente faisait dans le comique bien gras, Devilman est un manga incroyablement sombre, dur et pessimiste. Nagai a raconté après coup que durant cette période, il n'allait pas très bien et que Mazinger Z ou Cutie Honey, autrement plus léger et qu'il dessinait conjointement, lui permettait de décompresser un peu. En gros, une des lectures possibles du manga, c'est que l'être humain est fondamentalement mauvais, certains étant d'ailleurs bien pire que nombre de démons, qui ne tuent que parce que c'est la loi de la nature. Le rejet de celui qui est différent, la discrimination, la folie génocidaire, sont des thèmes forts du manga. Alors, si je te rejoins sur le reste, je ne suis pas d'accord sur l'idée que le manga dirait que l'être humain est foncièrement mauvais. D'une part parce qu'il y a des humains bons dans le manga, ne serait-ce que les amis et la famille d'Akira, mais d'autre part parce qu'au final, les anges, les démons, les semi-démons suivent le même cheminement à vouloir exterminer ce qui ne leur ressemble pas. Dans le manga, un des démons utilise les âmes de ses victimes comme bouclier, et le leader des démons n'hésite pas à sacrifier les siens pour atteindre son objectif. Donc les démons ne sont pas forcément mieux que les humains moralement. Au final, pour moi, le manga est plus une mise en garde sur la haine et tout ce qui l'entoure, comme tu l'as dit, la discrimination, la folie, etc., qui n'a au final qu'un résultat destructeur et dont personne ne sort vraiment vainqueur. Bon, j'admets avoir été un peu réducteur. Il y a, heureusement, des gens bien et des ordures dans chaque camp. Notons également que Nagai écrira plus tard une série d'aventures pour Devilman où Ryo et Akira se retrouvent à voyager dans le temps, cette histoire s'imbriquant au milieu de l'histoire principale. Un arc pas très intéressant et qui fait très hors sujet dans l'histoire, tant il n'apporte pas grand chose et qui n'est plus évoqué. J'ai d'ailleurs tendance à conseiller de zapper ce passage à tous ceux qui veulent lire Devilman. Il y eut une première adaptation en dessin animé par la Toei Animation en 1972, mais par trop différente et édulcorée. Ce Devilman-là n'est qu'un banal super-héros aux origines démoniaques, vêtu d'un simple slip et au visage plutôt sympathique, la série s'adressant avant tout à des enfants de 6-12 ans. Bref, elle n'a quasiment aucun rapport avec le manga, et même ceci mis à part, elle a quand même méchamment vieilli. Oui, cette série ressemble à un mélange de Sentai et de Keiju, les démons pouvant prendre des tailles immenses. On est même dans un rapport inversé avec un Devilman qui devient de plus en plus humain, là où dans l'œuvre originale, c'est Akira qui devenait de plus en plus démoniaque. Cependant, même si destinée à l'époque à un jeune public, la série se montre malgré tout sombre et surtout violente par moments, avec un nombre de morts assez élevé, et même parfois très graphique avec décapitations ou personnages qui fondent. Clairement, le genre de choses impossibles à mettre dans une série destinée à un jeune public aujourd'hui. Au passage, elle aura le droit à un crossover avec Mazinger Z dans un film.
histoire classique, les méchants des deux séries s'unissent, les héros en font d'eux-mêmes et battent les méchants, et chacun repart dans leur coin reprendre sa routine. Un film fait pour les fans des franchises à l'époque. Effectivement, pour l'époque, c'était parfois assez sanglant. Mais comparé au manga, ça reste tout de même bien gentil. Il faudra attendre 1987 pour pouvoir bénéficier d'une adaptation fidèle en animation. Vu la violence du manga, une nouvelle série télé était tout bonnement impensable. Et les auteurs ont donc décidé de passer au format OVA. La réalisation est aux petits oignons, avec Kazuo Komatsubara au chara-design. Notons qu'il s'était déjà occupé de la version 72. Tsutomu Iida à la mise en scène, Cowboy Bebop ou Big O quelques années plus tard, et le grand Kenji Kawai à la musique. Le premier épisode est déjà joli, mais le deuxième est un bon cran au-dessus. On sent qu'il y a eu du budget derrière, mais hélas. Passe encore que le staff prenne son temps. Il s'est quand même écoulé 3 ans entre les deux OVA. Le souci majeur, c'est que cette adaptation ne nous propose qu'une infime partie du manga. Le premier s'arrête en gros au moment où Akira devient Devilman pour la première fois, et le second se déroule plus tard, lors de son combat contre Siren, après avoir sauté moult chapitres. Hélas, trois fois hélas, le scénario s'arrête donc avant qu'on entre dans ce qui fait de Devilman une œuvre à part. On se retrouve en face de deux superbes épisodes d'action, beaux, dynamiques et prenants, mais il faudra faire une croix sur les thématiques de l'œuvre originale. À la base, il devait y avoir un troisième et ultime épisode, qui reprenait la partie finale du manga. Cela n'a pas pu se faire pour des raisons financières. En effet, le budget demandé était de 120 millions d'yens, mais Bandai Visual a dû se dire qu'il fallait pas déconner quand même. Néanmoins, il y aura un CD de drama qui sortira plus tard. Génial. On notera par ailleurs qu'une partie du staff et du cast se retrouvera, en 90 toujours, sur les OVA de Chibikara Wars, parodie en SD de l'univers de Gonagai. Le premier épisode étant justement centré sur Devilman. En 2000 sort pourtant un troisième et ultime OVA, mais consternant de nullité. Graphiquement, on dirait un animé typique du début des années 90, donc non seulement daté, mais en plus ça ne colle pas du tout à l'ambiance. On parlera même pas de l'OST qui est passe-partout. Mais c'est surtout le reste qui pose problème. On se retrouve certes plus loin dans le manga, mais ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, et celui qui n'a pas lu la BD ne comprendra rien. Et surtout, du sang, du sang, du sang. Alors comprenons-nous bien, Devilman est une œuvre violente. Mais sa violence sert son message. Ici, c'est seulement du gore pour du gore, point. Devilman aura aussi droit à une adaptation en film live en 2004, soit la même année que l'adaptation live de Cutie Honey. Réalisée par Hiroyuki Nazu, qui avait déjà œuvré sur d'autres adaptations comme Rakai Blues et pas mal de films de Luc avant, et dont Devilman sera le dernier film. Non pas que le film a stoppé sa carrière, il est mort l'année suivante. N'y allons pas par quatre chemins, le film est un échec artistique. Perso, j'aurais utilisé un autre mot, mais je vais rester poli. S'il reprend les grandes lignes du manga, il peine, et c'est vraiment le mot, à les exploiter convenablement. Les thèmes et les personnages sont là, mais le rythme est affreusement mal géré, et donne un sentiment de longueur alors que le film dure moins de 2 heures. Et si les éléments et personnages sont présents, ils semblent souvent juste avoir été posés là pour le cahier des charges. Siren apparaît, disparaît, puis ne réapparaîtra plus jamais. On aura juste le droit à une phrase qui la présente, et puis voilà, au revoir, merci d'être passé. Il faut ajouter à cela un casting principal pas convaincant, incarné par les chanteurs du groupe Flemme, à savoir les frères Izaki, au jeu plus que limité. Et d'ailleurs, vu que les acteurs sont frères, pour éviter que ce soit glauque, on remplace l'amour de Ryo envers Akira pour une amitié plus classique. Sinon, les effets spéciaux sont cheap, le film tente de raconter tout le manga en moins de 2 heures, c'est mal écrit, mal joué, mal réalisé, à l'exception de cet effet. Bref, Devilman est un film qui ne mérite vraiment pas le détour. Et apparemment, c'est également ce que se sont dit les spectateurs, car le film sera un horrible flop, ne rapportant que 5,2 millions de yens, alors que son budget atteignait le milliard. Oui, 1 milliard de yens pour ça. Pour vous faire une idée, c'est le budget du Shin Godzilla de Hano. Enfin, ça c'est si on ne compte pas l'inflation,
car du coup, techniquement, le film d'Anno a coûté moins cher. Je pourrais parler des heures de ce qui ne va pas dans ce film, mais ce n'est pas une vidéo consacrée uniquement à lui. Sachez juste qu'au Japon, le film a été classé comme le pire film de l'année, puis le pire film de la décennie, et que Takeshi Kitano, oui, le Takeshi Kitano, ira même jusqu'à dire que c'est l'un des 4 films les plus stupides qu'il ait jamais vu, et que le seul moyen d'y prendre du plaisir devant, c'est de le voir complètement bourré. Il est toujours considéré comme l'une des pires adaptations live d'un manga ou animé, aux côtés de L'Attaque des Titans, Fullmetal Alchemist ou Ken le Survivant, le film Cheapos de 1994 avec Gary Daniels, c'est dire le niveau. Et encore, contrairement à Ken de Gary Daniels, Devilman n'est même pas un nanar, c'est un navet. C'est personnellement l'un des pires films que j'ai vu, et je ne connaissais pas le manga quand je l'ai vu. Un film terriblement ennuyeux, dont la seule qualité est de rappeler l'existence du manga et de ses bases. Notons un caméo de Go Nagai. Il est là. Coucou Go Nagai. Ah, il a pas l'air jouasse. Comme s'il savait. J'étais allé le voir à sa sortie, et je me souviens avoir regretté d'avoir dû payer une place de cinéma pour ça. En 2016, Devilman fait un étrange retour, encore dans une trilogie d'OVA, dans un crossover avec Cyborg 009. Bon, c'est évidemment du pur fanservice. Et là encore, on est dans le domaine de l'action pure. Et début 2018, Devilman Crybaby, qui pour la première fois propose enfin une adaptation complète du manga, même si elle prend certaines libertés, notamment vis-à-vis de l'époque où elle se situe, les personnages utilisant des téléphones portables ou les réseaux sociaux. Étrangement, elle rajoute même un peu de sexe, y compris une scène homosexuelle masculine. Ce sera la porte d'entrée pour de nombreux fans occidentaux. Problème, enfin c'est personnel, mais je trouve ça moche. Mais alors, vraiment hideux, quoi. Volontairement, je m'en doute, mais même, faut arriver à supporter. C'est dommage, franchement. Et là, on se met à rêver de la même chose, mais avec la qualité des deux OVA sortis 2 décennies auparavant. Que faire, donc? Les OVA peuvent se suffire à eux-mêmes comme simple introduction à l'œuvre, même si la priorité, c'est évidemment le manga. Mais si vous voulez vous contenter de l'animé, je me vois quand même obligé de conseiller les deux OVA, puis d'enchaîner avec Crybaby pour avoir la suite et la fin. Ou alors, on peut faire simple et se lancer dans l'intégrale des mangas. Mais en gardant en tête que ce dernier a quand même 50 ans, et que du coup les dessins et la mise en scène datent. Et bonne chance pour qui voudrait se les procurer en France, car n'étant pas réédité depuis 7 ans, les prix ont vite enflé. Bref, tout ça pour dire que Devilman, c'est bien, lisez-le ou voyez-le. Enfin, sauf le film, faut pas déconner quand même.